Test du champ de vision. Alors là, je suis en mode super view et on va faire tanguer un peu pour voir. Hop. Ouais. Voilà, là, le champ de vision est en mode large. Tanguer la caméra. Ok. Là, le champ de vision est en mode linéaire. Je vais tanguer. Ok. Là, le champ de vision est en linéaire avec maintien de l'horizon. Alors c'est la nouvelle nouveau paramètre qui permettent quand je fais tanguer la caméra jusqu'à 45 degrés, l'horizon reste stabilisé, reste bien à l'horizontale. Et dès que je dépasse les 45 degrés, là voilà, ça bouge. Là, c'est une fonction qui a été améliorée par rapport à la GoPro Hero 9, où sur la 9, on ne pouvait que bouger à 23 degrés d'angle pour maintenir l'horizon. Et au-delà, ça bougeait, même si là, on est passé à 45 degrés. Alors, je pense que ça va être intéressant pour le ski. On verra. Ok. Bon, le dernier mode du champ de vision en mode étroit. Donc, ça rétrécit au pas mal le champ de vision. Ok.